La cérémonie de présentation et de sélection des projets d'entreprise des étudiants organisée par l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. C'était ce vendredi 20 mai 2022 dans les locaux de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. En effet, l'université a mis en place cette présentation et sélection des projets d'entreprise des étudiants afin de permettre aux étudiants d'accéder à la maison de l'entrepreneuriat de la dite université. Écoutons le recteur de l'université au micro d'Amadi Konaté. Le projet d'entrepreneuriat des étudiants de l'USCGB a été lancé en novembre dernier pour pallier le problème d'employabilité. Comme vous le savez, chaque année, nous mettons sur le marché des milliers d'étudiants. Or, nous savons les possibilités d'emploi salarié aujourd'hui. Donc, le but, l'objectif du projet, c'est de former un certain nombre de jeunes à devenir des employeurs potentiels et non des salariés potentiels. Et comme vous l'avez vu dans les présentations tout à l'heure, les jeunes ont des compétences enfouies que la formation a essayé d'exprimer. Vous avez constaté par la diversité des présentations qui ont été faites. La maison de l'entrepreneuriat, c'est un incubateur qui a été mis en place ici à l'USCGB pour que les 20 meilleurs de présentation, parce qu'il y en avait 200, après la présélection on a pris 20, les 20 meilleurs puissent aller dans cette maison-là, être davantage coachés par des coachs professionnels et par des entrepreneurs pour mûrir davantage leur projet afin que ça soit vraiment des projets faisables d'entreprise. Les étudiants sont passés tour à tour afin de défendre leur projet devant un jury et des investisseurs présents. Cette activité, nous avons déjà appris d'abord en avance, nous avons fait des formations qui nous ont beaucoup permis de faire cette présentation et nous avons espéré qu'à l'issue de la délibération, nous aurons des résultats aussi convaincants. Et puis on est beaucoup enthousiaste face à la formation puisque ça a été une expérience inédite que nous avons vraiment vécu cet après-midi. J'ai remarqué qu'au Mali, il y a beaucoup de chômage, il y a aussi l'immigration clandestine et aussi les groupes bandits armés recrutent beaucoup les jeunes. C'est dû à un problème de travail. Donc j'ai initié un projet qui s'appelle Calentech, une plateforme de formation qui va donner des formations en électricité, en plomberie, carrelage, etc. Donc ce sont des formations qui seront suivies en ligne, mais qui seront complétées avec des séances pratiques dans les ateliers avec les professionnels du domaine. En Mali, nous vivons sous embargo, c'est un vrai problème. Et je pourrais dire que les investisseurs doivent beaucoup aider les jeunes, les potentiels entrepreneurs, afin que nous puissions faire face à la situation dramatique. Parce qu'actuellement, le Mali, nous sommes dans une situation très critique. Seul l'entrepreneuriat pourra aider le pays à faire face à cette situation. J'ai beaucoup apprécié cette formation, car ça nous a beaucoup aidé. Nous avons eu des partages d'expériences avec différents coachs. Et nous avons également fait des recherches dans notre projet qui nous a aussi aidé. Et vraiment c'est une très bonne initiative. Et si vraiment cette initiative arrive à être une continuité, vraiment ça va beaucoup aider les étudiants, voilà, à réaliser leurs rêves. Le problème au Mali ici, c'est quoi? C'est-à-dire tout le monde veut travailler dans les bureaux. Bon, je pense que l'entrepreneuriat, le gouvernement doit s'appliquer davantage, n'est-ce pas, à cette formation. Je dirais même de déléguer des personnes vraiment à suivre cette formation avec assiduité pour permettre, n'est-ce pas, aux jeunes d'entreprendre, de réaliser leurs projets, n'est-ce pas, à travers l'entrepreneuriat. On a fait 4 mois de formation et aujourd'hui, c'est la réception, la cérémonie, je vais dire. On sait tous qu'à la FSEC, on est nombreux, les étudiants sont trop. Donc, inviter les étudiants à venir suivre une formation et évoluer sur le plan de l'entrepreneuriat est une très bonne chose. Nous lançons notre cri de cœur à toutes les facultés de Bamako, non seulement au gouvernement à aider les différentes facultés à initier ce genre de projet. On sait que les étudiants sont nombreux au Mali. Donc l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Organiser ce genre de formation et donner l'opportunité aux jeunes non seulement de s'exprimer, mais de leur inculquer l'esprit d'entrepreneuriat est très très important. Nous lançons notre cri de cœur au gouvernement d'aider toutes les facultés qui sont au Mali à initier ce genre de formation. 5 projets d'entreprise ont été sélectionnés à la sortie de cette cérémonie. C'est une fierté pour moi d'avoir fait partie des finalistes et j'espère qu'avec ce projet, d'autres jeunes comme moi prendront l'initiative de croire en leurs rêves. Rien n'est impossible de nos jours. Battons-nous simplement pour nos rêves
et soyons motivés simplement. Aujourd'hui, on a tous gagné parce qu'on a tous été sélectionnés pour intégrer la maison. Plus de motivation, de courage et encore d'idées, parce que c'est l'innovation qui fait la force de l'entrepreneuriat. Et un jour, nous aussi, on sera les élus de ce pays.